Frenchmois, émission du 16 juin 2012. Et on a des nouveaux t-shirts. On a reçu des beaux t-shirts. On est super contents. On les attendait avec impatience. Oui, et toute l'équipe en a, donc... Et là, on est devant la billetterie du Fringe parce qu'on va prendre toujours des nouveaux billets parce qu'on va voir beaucoup de spectacles pour ceux qui sont au courant. Hein. On est voir les 120 spectacles et on est rendu à... 21, 22, 23, 24. 29. Et là, on continue parce qu'aujourd'hui, on va en voir beaucoup encore. On va 8 aujourd'hui. Donc, ça va monter le défi, on va le réussir. Hier. En tout cas, on était au French for All des artistes d'ailleurs. Et très, très forte édition. Les gens qui étaient sur scène, c'était très, très bon. Et d'ailleurs, on vous présente le reportage qui suit. Alors, on est présentement dans le backstage du cabaret du Myland. Une espèce de coulisse, là, du... parce que ce soir, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Vous entendez peut-être un bruit en fond, parce que ce soir, c'est les Folies Fringe... Out of Towner, Fringe for All. Non, c'est Folies Fringe, les artistes d'ailleurs. Out of Towner, Fringe for All. Non, c'est pas... C'est écrit là. Alors, on est ici vraiment, vraiment backstage. Là, les gens, les artistes préparent ici. Il y a juste 4 compagnies. On va faire un petit tour rapide, comme ça. Stéphanie! Ah, bonjour! Stéphanie, qui fait partie du Fringe, qui s'occupait de l'année passée des communications. Liaison d'artistes. Liaison d'artistes. Dans le fond, mais là, cette année, on ne parle pas de ça. On s'en calisse. C'est plus important. Là, tu nous parles de ton show, en fait. Eeny, meeny, miny. Voilà. Dans le fond, c'est vraiment un mélange de danse contemporaine et aussi de comptage d'histoire. L'inspecteur Gadget, ici? Non. Je ne suis pas Inspector Gadget. Non. Poway Fluffy. Oh oui. Oui. Et vous êtes qui? Vous venez d'où? I'm not a good French speaker. What? I can't speak French. No. Oh, that's okay. You can speak English. English? English. Are you a waiter to me? No. My name is Bud Kopinski. I'm a private eye. Oh yeah. Okay. Yeah. Okay. Where are you from? Hollywood. Hollywood! The city of angels. Man, ma chance! Oui. I'm gonna be a star! Oui, c'est vrai! Oh yeah! Yeah, with your gorgeous blonde hair and your big tits. Yeah! So, where's your show? At that Mainline. Mainline Theater, on connaît bien le Mainline. Great, great venue. Okay. Thank you. Be careful with your lamp and the wall. There's a wall and there. And with people too. Yeah. Okay. Goodbye. C'est quoi ton spectacle, mon pitou? What's your show? Attends, je vais y parler en chien. Hi, it's fucking niaiserie même. Il vient de perdre toute sa crédibilité. Il dit des insanités, ça va comme ça. I'm Sam. Sam, Caroline. Nice to meet you, Caroline. Are you with them? No, you're all alone. I'm all on my own. Oh, yeah. I don't have a handbill or anything. But I swear I have a show. I have tinfoil in my hand. That's good. This is better than a handbill. Because my show is called Tinfoil Dinosaur. It's about having a social anxiety disorder and how things like this are very difficult. Nancy Spanchin. Hey, Nancy, you know what? I
j'ai gardé ta mèche de cheveux. Oh, sorry, Sid, I gave him a piece of my hair. Why does everybody get a piece of your hair except me? Because you have my pussy. Alright. Oh, hey! Je vois quelqu'un. Stéphane, c'est le conteur de l'histoire. Stéphane, viens ici. Hey, Stéphane! Bienvenue à l'émission Fringe Moi. Merci. C'est toi qui les as fait venir à Montréal. Tu les connais personnellement. Oui. Tu les connais personnellement. Ben oui. Comment c'est arrivé? Ben écoute, on voulait faire un show sur les Sex Pistols, puis finalement, on est allé faire un tour à New York pour visiter l'hôtel Chelsea. Puis on a découvert que c'est pas vrai que Sid et Nancy sont morts. Non seulement ils sont encore vivants, il semblerait que l'héroïne les a conservés. Fait, c'est pour ça qu'ils ont encore l'air de l'âge qu'ils avaient quand tout le monde pensait qu'ils étaient morts. Stéphane, donc après Zeppelin, c'est un cover band, après votre autobiographie, après un show sur YouTube, maintenant Sex Pistols. Ouais. C'est quoi tu veux nous dire avec ce show-là? En gros, on voulait raconter l'histoire du punk. Sauf qu'on s'est rendu compte que contrairement aux shows comme Zeppelin ou U2, où c'est moi qui raconte l'histoire du groupe, on s'est dit que ce serait le fun si on avait les vrais Sex Pistols sur scène pour raconter l'histoire du punk et des Pistols eux-mêmes. Do you want to say something to your fans? That's looking fringe moi right now. Come to the main lawn, do yourself a fucking favor. And if you can, bring me some spleen, because I'm really sorry. Come to the main lawn theater. We're doing a show there called Vicious Circles. We're starting on the 16th, which is... Tomorrow. Right. Tomorrow, thanks, I don't know what I'll do without you. Fringe moi. Fringe me. Fringe, mais can't. Alors, après le t-shirt. Et l'équipe magnifique. Et l'équipe magnifique, hein. C'est le set de Rotten. Andréane, qu'est-ce qu'on boit? Un succulent thé glacé. Et c'est offert par qui? Par Artemano. Dans la deuxième partie d'émission, on reçoit qui dans la deuxième? Bodyslam, qui va nous faire une performance.